Jeanne d'Arc est-elle passée par Rocamadour? Certains sont affirmatifs. Il existe un petit village dans le nord du département qui s'appelle Le Bourg, avec une représentation de Jeanne d'Arc reprise en vitraux au toit. Et sous cette représentation de Jeanne d'Arc, un texte. Le samedi 3 avril 1428 commença le grand pardon en la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour. À la mi-carême environ de l'an susdit, vint vers le roi de France, notre Seigneur, une pucelle qui se disait être envoyée au roi par le Dieu du ciel pour chasser les Anglais du royaume de France. Livre X de Cahors, volume 1, G3. Et il faut s'approcher parfois, vous vous rendez compte? 1, G3, sûrement, voilà. C'est ce qu'on trouve en dessous de cette représentation de Jeanne d'Arc dans une église de notre département, où je vous montre des vitraux réalisés par Saint Blanca, qui n'était pas un saint, mais simplement un maître verrier. Qu'en pensez-vous? Jeanne d'Arc est-elle passée par Rocamadour, ou tout ça, c'est des bêtises qui sont restées dans une église? Cela croire au karma, tu t'aperçois que chaque